sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer un peu de travail que je viens faire. J'avais trois couteaux à faire la trempe et il fallait que j'allume la forge pour faire pour faire la trempe dans les trois couteaux et après pour faire le revenu dans le four électrique. Bon, comme j'ai fait la trempe là dans la forge, j'ai fait la trempe après j'allumais la forge, tout ça pour faire la trempe, j'ai fait la trempe dans l'huile, des vidanges de moto de voiture. Et voilà, si vous voyez un peu, allez, ça va bouger un peu là, voilà. Mais un peu là c'est encore chaud. Il y a même un peu de chaleur qu'on va sortir là. Bon, ça c'est ma forge. Et voilà, bah, j'ai fait la trempe dans les trois couteaux là. Et après, pour finir le travail à la maison, qu'il faut enlever beaucoup de crépis pour faire laisser la pierre apparente dans le couloir de la maison. Il me fallait des pantrôles. Alors j'ai demandé à un copain pour me trouver de la ferraille. Comme je suis à la maison, hein, voilà. Et comme je dis aujourd'hui, hein, l'argent c'est pas beaucoup. Et je lui dis, bah, tu me trouves un peu de ferraille du chantier. Et voilà, il m'a trouvé une barre, je pense c'est du 22 là. Du 22. Et voilà, j'ai forgé des pantrôles. Voilà, ça c'est j'ai forgé des pantrôles. Et le pantrôle plate. Hein. Voilà. Je fais la trempe, bah tout ça, je fais la trempe à l'eau. Hein. Là-dessus, ça veut dire que ça, il est trempé seulement sur un centimètre et demi. Après, tout est mou. Hein. Regardez ici, avec la lime, ça prend bien, mais ici au bout, ça prend pas assez. Et pourtant, c'est la lime de tronçonneuse et ça sonne bien. Hein. Celui-là, ils sont tous pareils. Hein. Voilà, même pour celui-là, pour les carrés. Ça sonne bien. Voilà. Bon, ben, j'en ai fait, si je voulais faire moitié-moitié, mais après j'ai perdu le compte. Voilà, j'en ai fait 6 pantrôles et 6 pantrôles plates comme ça. Voilà. En même temps, j'avais cette pièce de biche ici qu'il fallait le dresser un petit peu. En même temps que j'ai la forge allumée, voilà, je l'ai chauffé. Je l'ai trempé aussi. Et après, j'ai fait un revenu à la forge. Voilà, je fais un revenu à la forge. Vite fait, pour pas que quand on va forcer, pour pas qu'il casse. Et voilà, mais bon, c'est pas moi. Maintenant, ça, je ne travaille plus avec ça. Bon, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Hein. Bah c'est ça, c'est mon enclume, une grosse enclume que j'ai récupérée. C'est un monsieur qui me l'a donné, il m'a fait cadeau de ça. Et voilà, c'est une grosse enclume celui-là. Une grosse enclume. Hein. Voilà. Et là, j'ai un tas pour faire les couteaux. Bon, ça bouge un peu la caméra. Voilà. Ici, c'est un tas carré qui est vraiment propre. Et ça, c'est quand je forge les couteaux pour les mettre bien droit. Pour déplacer ça, j'ai ma grue d'atelier qui est là-bas. Voilà, j'ai ma grue d'atelier là-haut pour déplacer tout ça. Il y a des roulettes et c'est bon, on monte dessus. Voilà. Bon, bah, les amis, hein, les gens qui sont abonnés à ma chaîne, bah, je vous dis allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!